Si vous ne savez pas comment organiser votre feed Instagram, je vais vous donner 3 exemples avec des comptes à l'appui. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Alors, les 3 comptes que je vais vous donner sont 3 personnes qui utilisent à merveille les réseaux et qui sont très connues sur les réseaux sociaux. La première personne est une Sénégalaise qui s'appelle Alfie. J'en ai déjà parlé dans mes différentes émissions ici sur Miss Digital. Ce qu'elle fait, c'est simple, c'est qu'elle utilise un preset sur toutes ses photos. Ça vous permet en fait déjà d'avoir une ressemblance parfaite sur votre feed, mais aussi d'avoir en fait de donner cet effet que toutes les photos ont été prises au même moment. Vraiment, c'est la meilleure façon d'avoir un joli feed. Alors le deuxième compte, c'est celui de Pac-Man. C'est vraiment pour tous qui veulent devenir influenceurs pour les hommes. Ce qu'il fait, c'est hyper simple et épuré. Et si vous aimez le minimalisme, c'est le compte qu'il vous faut. Il utilise en fait les photos de Flatline pour montrer déjà le outfit qu'il va porter. Ensuite, il va le porter dans une autre vidéo. Ça permet en fait d'avoir une cohérence parfaite sur votre feed. Alors le troisième et dernier compte que je vous conseille de vous inspirer si vous voulez un feed juste parfait, c'est celui de Melissa Thibault. Franchement, son Instagram, c'est un décor parfait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise en fait des photos de décor pour animer un peu son feed. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle porte, par exemple là, elle a une photo de portrait, ensuite elle peut mettre une autre photo d'elle et ensuite elle met en fait une photo de décor. Ça peut être une photo que vous allez trouver sur Pinterest ou sur Pexel, j'en avais déjà parlé si vous voulez en fait trouver des photos libres de toi. Donc voilà 3 comptes sur lesquels vous pouvez vous inspirer pour créer un feed juste parfait pour votre Instagram. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye! I'm not afraid to die.